cette paix qu'on avait, cette cohésion qu'on avait, s'est retrouvée blessée à un moment avec les crises politiques, avec les tensions même ethniques. Donc aujourd'hui, il y a lieu de refaire un travail de fond, un travail qui s'appuie véritablement sur les problèmes réels des populations. Parce que le drame aussi que nous constatons en Côte d'Ivoire, c'est que lorsqu'on parle de construction de la paix, on se limite aux hommes politiques. Comme telle personne a été libérée, telle personne a eu telle chose, donc on est en paix. Non, ça c'est une paix négative. Il y a l'absence de guerre, mais on n'est pas en paix. Il faut construire la paix positive qui s'appuie sur de vrais fondamentaux, la bonne gouvernance, l'équité sociale, la justice. C'est tout ça qui va nous permettre justement de renforcer cette paix.